Donc voici le code pour piloter les deux cerveaux pour faire l'animation des deux yeux. Donc la première chose à faire, c'est d'inclure la librairie de pilotage des cerveaux telle que c'est marqué ici. Ensuite, comme j'ai deux cerveaux pour piloter les yeux, de gauche à droite et de droite de haut en bas, je déclare chacun des cerveaux pour pouvoir les utiliser par la suite. Ensuite, dans la phase d'initialisation, j'attache chacun des cerveaux au pin sur lequel j'ai rattaché le cerveau sur l'Arduino. Donc le cerveau qui permet de piloter de gauche à droite est rattaché au pin 3 et le cerveau de haut en bas est rattaché au pin 2. Ensuite, j'ai une boucle qui permet de déplacer les yeux de gauche à droite et de haut en bas pour faire un test et pour vous montrer. Donc j'embraye directement par un petit délai qui permet de ne pas tout de suite déplacer le cerveau. Et ensuite, je déplace le premier cerveau qui permet de déplacer les yeux de gauche à droite. Je le positionne à l'angle 50 degrés. Et après, j'enchaîne avec un petit délai de 950 millisecondes, ce qui permet de laisser au cerveau le temps de se positionner. Et j'ai rajouté quelques millisecondes pour que l'animation des yeux soit suffisamment lente pour ce que je voulais faire. Et après, je redéplace le cerveau à l'angle 70, 90, 100, 110, 90, en mettant des délais suffisamment longs entre chaque mouvement. Et après, je fais la même chose pour l'autre cerveau, pour aller de haut en bas. En me déplaçant suivant les différents angles. Ça, c'est un exemple. Maintenant, à vous de jouer et de positionner le cerveau à l'endroit où vous voulez. Merci.